15 mai 2019, face nord du Taillon. Avec l'ami Flo, ça fait quelques années qu'on rêve de la skier. Mais vu les conditions du jour, ça a l'air plutôt mal barré. Arrivé au sommet, il faut se rendre à l'évidence. Bloqué derrière nos écrans d'ingénieurs, on a encore laissé passer le créneau. Elle est belle cette face, mais se faire peur sur la glace à chaque virage, c'est pas vraiment notre truc. Pour aujourd'hui, on change donc d'objectif, et ce sera la face est avec sa belle moquette de printemps. Comme un symbole, la saison se terminera donc par un ultime plan B. Novembre 2018. C'est carrément tôt pour un premier ski trip. Et pourtant, mon pote Yannick a réussi à m'embarquer sur un petit groupe pour partir skier en Sibérie. Je savais même pas qu'il y avait des montagnes là-bas. Et куда они бегут? Ну, по центру где-то бегают, я не знаю, они могут там. Это аэропорт. Это не Сибирь. Pour tout dire, je suis carrément stressé. Je comprends rien, il fait super froid et j'ai jamais skié avec tous ces gars. Si ça se trouve, on va pas du tout s'entendre. Ou pas. Thank you.
Dément ! C'était dément, en effet. Je m'attendais à rien, et je suis rentré comblé de ce voyage. Une neige de cinéma, et surtout une belle aventure humaine, durant laquelle je me suis fait 4 amis. De quoi emmagasiner de bonnes énergies pour le reste de la saison. Le seul souci en commençant l'hiver avec des conditions pareilles, c'est que le retour dans les Pyrénées peut être légèrement difficile. Elle fait un bruit bizarre cette neige, non ? Ah, un peu. 31 décembre 2018. Il fait seulement 40 degrés de plus qu'en Sibérie. La sécheresse est installée depuis des semaines et aucune chute de neige n'est prévue à l'horizon. Je change donc mes plans pour prendre la direction d'un autre massif où les copains sont bien plus gâtés. Avec plus de 2 mètres de puff en 5 jours, on peut dire qu'on était au bon endroit, au bon moment. Des conditions de rêve que je suis pas prêt d'oublier. Et pendant ce temps, l'hiver s'était enfin installé sur les Pyrénées. L'occasion de profiter pleinement du sud-ouest, l'un des seuls endroits au monde où l'on peut skier et surfer dans la même journée. Mars 2019. De manière tout à fait inattendue, nous revoilà en Russie. Comme quoi, les belles rencontres débouchent sur de belles opportunités. Cette fois-ci, nous allons beaucoup plus à l'est, pour un autre genre de ski que je n'avais jamais eu l'occasion de pratiquer.
côté. Sur les gros volcans qui sont au-dessus de Petropavlovsk, on va remonter sur les fjords. Yes! Avril 2019. Après cette superbe expérience au milieu des volcans, nous nous envolons vers l'autre côté du Pacifique, à la frontière entre le Canada et l'Alaska. Dès notre arrivée, l'immensité des espaces et la nature omniprésente me fascinent. Cela me rappelle les romans de Jack London et de Frison Roche, où les légendes indiennes côtoient les aventures de la ruée vers l'or. C'est donc au pays des trappeurs, sur les rives du Yukon, que va s'écrire le dernier chapitre de la saison. Moi, les ours, ils me craignent. Ah, pétez les doutes. Moi.
Et quand tu commences à repérer les chemins de motoneige au drone, c'est que... C'est qu'il faut trouver les plans B. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été épargné par la météo yukonaise. Et pourtant pour moi, c'était la plus belle aventure de la saison. Il y a du bleu. Il y a du bleu là-haut. Il y a du bleu. Parce que faire du bon ski, c'est cool. Mais se retrouver complètement seul au milieu de la nature, c'est absolument génial. Merci. D'ailleurs, lorsque je repense à cette saison exceptionnelle, je me rappelle d'abord de l'ambiance dans ces cabanes perdues au fin fond du Canada et de la Sibérie, de tous ces moments de partage en montagne, et de ces fous rires quasiment quotidiens sur les skis. Ça me zèbre le colon. Partage, nature, plaisir. Trois mots qui permettent de s'adapter à n'importe quel plan B et qui cultivent mes idées d'aventure pour les années à venir.